Bonsoir. Monsieur Portelance, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Il est 17h30. Nous allons un petit peu plus. Nous allons commencer la réunion régulière du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 4 avril 2012. Je vais vous présenter les membres du conseil et de la direction qui siègent à mes côtés, en commençant à ma gauche complètement, Mme Marie Turcotte, qui représente les clients du transport adapté à la Société de transport de Montréal. Et comme je vous l'ai dit le mois dernier, elle est récipiendaire du prix Gilbert Chartrand. Guy Chartrand, Guy Chartrand, qui lui a été remis pour sa contribution au transport adapté par l'association Transport 2000. Monsieur Francesco Miele, qui est conseiller Ville de Montréal, dans le district Côte-de-Liesse, arrondissement de Saint-Laurent, M. Édouard Janiszewski, qui est maire de Dollard-des-Ormeaux, Mme Monica Ricourt, conseillère municipale dans l'arrondissement de Montréal-Nord, M. Dominique Perry, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Léonard, M. Luc Tremblay, en remplacement ce soir de M. Idevin. Donc, M. Tremblay est directeur exécutif, finance et contrôle de la STM et trésorier de la société. Et à ma gauche, mais à votre droite par rapport à moi, M. Morgan Rotran, qui est vice-président de la Société de transport de Montréal et qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Mme Claudia Lacroix-Perron, qui représente les membres, la clientèle jeunesse de la STM. C'est un siège qui est particulier à la STM dans les sociétés de transport public au Québec. M. Bernard Blanchet ne pouvait être des nôtres ce soir. Il a une obligation très importante dans son arrondissement. S'en excuse. M. Christian Portelance, qui est secrétaire général adjoint de la société, et Mme Danielle Porret, qui est assistante au secrétariat. J'entendais des bruits qui étaient à l'extérieur. Très bien. Je vous rappelle donc que nos conseils d'administration sont diffusés sur le web, donc pour les membres du conseil et pour les gens qui poseront des questions. Votre question est web diffusée. Avant de vous rappeler, comme je le fais à l'habitude, en début de conseil, je vous rappelle les événements qui ont eu lieu entre aujourd'hui et le précédent conseil. Je dois vous informer que le prochain conseil d'administration de la STM, le 2 mai, aura lieu dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Le lieu exact, l'adresse sera communiquée publiquement. C'est une habitude que la STM a prise à l'initiative de M. Rotran il y a quelques années du Conseil. Donc, à chaque année, nous allons hors les murs de la STM. Donc, nous avons tenu des conseils d'administration dans l'arrondissement de Verdun, dans l'arrondissement de Saint-Michel, Parc Extension. Saint-Léonard également, et cette fois-ci, ce sera dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Ça permet aux citoyens de l'arrondissement d'être plus facilement présents et de poser des questions. Donc, un certain nombre de nouvelles. Nous avons tenu une conférence de presse en présence du ministre des Transports du gouvernement du Québec. M. Rotran était à mes côtés. Édouard Janiszewski, qui est membre de notre conseil et maire, était présent également pour annoncer des 4 nouvelles lignes de bus express dans l'Ouest. C'est une nouveauté ce soir. C'est accompagné de photographies, mes petites manchettes. C'est une initiative de l'équipe de la STM. Et donc, la ligne 405, 465, 475 et 485. Avec les parcours que vous voyez apparaître à l'écran. L'objectif de ces lignes-là, donc, c'est d'offrir à la clientèle de l'ouest de l'île et même qui viennent de l'ouest du territoire métropolitain, d'accéder au centre-ville en mode express, en se rabattant sur la station Lionel-Groulx ou la station Côte-Vertu. Et c'est dans le cadre du projet des mesures de mitigation et d'atténuation du grand projet de l'échangeur Turcot qui va être refait. On anticipe donc une augmentation des bouchons de circulation ou de la difficulté de circuler. Et la STM, avec le ministère des Transports et la Ville de Montréal et les villes de l'Ouest, ben, on a mis ça en amont. Des projets qui vont se faire. C'était très important pour nous de commencer ça plus tôt. Donc, c'est en opération depuis le
le 2 avril. Et ça va se développer. Il y a des voies réservées qui vont être complétées. Et c'est pour habituer les gens en amont des travaux. Le ministre a indiqué également qu'à la fin de ces travaux-là, qui vont durer plusieurs années, si on inclut Saint-Pierre, presque une décennie, ces lignes vont être maintenues. Deuxième élément que je vais vous présenter, des travaux importants à la station McGill. La station McGill est une des stations les plus fréquentées du réseau de transport, du réseau de métro de Montréal. Nous sommes dans des grands travaux à la station Berry-UQAM. Pour ceux qui y sont allés, les revêtements ont été défaits. Et la station, là, on est à Berry-UQAM, donc c'était pour McGill des travaux de réfection de la station McGill. Et pour la station Berry-UQAM, vous voyez des colonnes qui ne sont pas des colonnes portantes. Elles n'étaient pas dans les plans d'origine de cette station. Elles ont été mises en ajout après, et dans le cadre des travaux, bien, ces colonnes vont être démantelées. C'est des colonnes qu'on dit orange parce qu'elles avaient un revêtement là, en céramique à l'extérieur qui était orange. Donc ça va être modifié. Il y a une nouvelle section travaux métro sur le site web de la STM. Donc, suite à l'annonce de tous ces travaux de Renault Système, Renault Infrastructure, dans nos stations où on refait tantôt un édicule, tantôt un toit, tantôt une dalle béton, eh bien, on a créé une section qui permet de mieux connaître les chantiers à venir. Est-ce qu'un édicule est fermé? Pour quelle période selon nos équipes? Et donc, on va inviter les citoyens et notre clientèle à consulter cette section-là. Il y a, vous savez, la STM a créé beaucoup de partenariats au cours des dernières années dans le cadre de mouvements collectifs. Ces partenariats-là, c'est pour inciter les gens à prendre le transport collectif pour aller voir des spectacles, des festivals, des événements sportifs. Et on a créé Métro Art, qui est, dans le fond, une façon de mettre en évidence l'art et la culture à Montréal. Il y aura de la poésie dans le métro dans le cadre de la journée de la poésie qui a eu lieu, dans le cadre de la journée de la poésie qui a eu lieu le 23 mars dernier. Nous avons invité notre clientèle via le concours La poésie vous transporte à soumettre des poèmes sur le thème du transport collectif. Fait que c'est une façon pour nous de participer à la vie culturelle et artistique montréalaise. Vous allez, dans la prochaine photographie qui va vous être présentée, puis je le dis, c'est que nous, la STM, depuis quelques années, s'est mérité un certain nombre d'honneurs d'un point de vue de société de transport, mais également des individus. Sur la photo, vous avez M. Desrosiers, qui dirige l'ensemble de l'exploitation à la STM du réseau bus et du réseau métro. Donc, il a la responsabilité opérationnelle de tout le service clientèle. Concrètement, il est accompagné de M. Bernard Blanchet. Ils étaient à Londres, où ils se sont vus remettre un prix pour la troisième fois. C'est un tour du chapeau pour les amateurs de hockey. Je sais qu'Édouard en est un. Il joue toujours férocement au hockey. Donc, c'est un prix qui reconnaît l'engagement vert du métro de Montréal, c'est-à-dire les programmes, les politiques que nous avons. Et c'est la troisième fois qu'on nous le remettait. Nous sommes donc en compétition et en concurrence. Si je me souviens bien, c'est tout particulièrement pour tout un programme que nous avons mis en place de l'îlot vert pour récupérer les journaux et les matières dans le métro plutôt que de les mettre dans les poubelles. C'est un programme qui a commencé en phase pilote. Ensuite, nous avons mis des îlots en haute station et on a reconnu ces efforts que la STM fait. Donc, on est fiers de ces prix-là parce que ça témoigne de l'effort de toute la société envers son engagement de développement durable et du mouvement collectif qu'on a créé. Donc, avec ces points de présentation, je vais ouvrir la période de questions. Nous avons ce soir 5 intervenants. Je vais inviter tout d'abord M. O.B. Lawford à venir poser ses questions sur le site web et des chauffeurs. Là, une remarque que vous voulez nous faire au sujet de chauffeurs et l'article 7.1, j'imagine, de l'ordre du jour de ce soir. C'est ça? Donc, vous pouvez poser vos questions. You will ask your question. Yes, sir. Thank you, Mr. President. Question number one. For the past 2 weeks, the Opus NA website is down. Can you tell us why it is down? I just started subscribing to Opus NA since last month when they took money for the April pass, so that doesn't work. Also, it doesn't work with the website. You can't print individual statements for the month that the money was debited.
Also, many drivers on the one. Okay. So the first. Okay, the first one is about the website Opus. It's the first news for me. I don't know anything about it either. I'm looking to Madame Vaillancourt, who's in charge of that. She'll take notes, but I've got a website in front of me presently, and things it's working, yeah. But we will. It's from. Have you checked on your own computer? No, it was my own computer. I haven't checked it. I checked it this afternoon before coming here. It still was down. It still was down. Okay. I even called them up. Okay, so we'll check it for you. Your second question. Thank you. Second question. Many bus drivers, mostly on the 161, also the 104 and 138, are using their cell phone like this and driving. I was last week on the 161. One hand was on the cell, and the other hand he was turning onto Fleet from Cavendish, going east. Okay. I have the information if you need the bus number, the time, the date. Okay. I will ask Mr. Evans. I want to confirm it's illegal for a driver of a bus to be on his cell phone, just like anyone else. In Quebec, the law says you cannot speak on a cell phone that is handheld while you're driving. So what I'd like you to do is we'll have somebody take your information, Mr. DeRosier, who runs our bus and I have it Metro here, Division. I'd rather you not say it at the microphone. We'll take the information. Okay. We'll verify that information. And we do take measures when we have proof that a driver has been doing this. And we, you know, I don't want to give the impression this is a widespread practice. I'm sure it happens, but it shouldn't happen. And we try to sensitize all our drivers so it will not happen. And final question with your permission, please, Mr. President. Yes. 7.1, it's in the in your agenda. Mm-hmm. Awarding contract for purchasement of traffic simulator for Montreal Metro line extension. Is there going to be a simulator possibly for the extension of line number 5 going the opposite way toward NDG, Coasting Loops, Cavendish, Montreal West, Lafleur, all the way to Fairview, because the tunnel is built since 1950s. They found that tunnel. They found the tunnel. At the next meeting, I'll bring you the. I bring it to you the information. I've read the article about that. Okay. I will ask. We'll ask Mr. DeRosier. The train simulator is designed to simulate any extension. So okay. It is not designed for a specific extension. We use it in order to predict how the operation is going to behave. So we can use it anywhere. Okay. So thank you. Including your tunnel, you're fine. Thank you. Je vais inviter Madame Lise Vincelette, qui a deux questions pour nous. Donc une à laquelle nous avons déjà répondu, mais nous allons vous répondre à votre question sur la tarification de la carte Opus au métro Longueuil, à la station Longueuil et l'autobus 18. Allez-y, oui, madame. Oui, puis une chose, monsieur. Un soir, c'était un lundi soir, le métro, c'était le dernier métro, puis il y avait un monsieur qui circulait. Fait que ça retardait le métro, puis c'était, je m'en allais à Honoré-Beaugrand. Fait que les conducteurs d'autobus sont supposés d'être avertis, vous savez. À Honoré-Beaugrand, on prend l'autobus à 1h20. Ils n'ont pas été avertis, puis ils sont partis. Fait qu'on était pas mal de monde à attendre l'autobus de nuit. Est-ce que la prochaine fois, si jamais ça arriverait, une autre fois, si on peut avertir les conducteurs d'autobus qui nous attendent, si c'est possible? Bon, les chauffeurs ont un horaire qui est planifié. Moi, je le vois parce que je prends le bus très souvent. Donc, parfois, s'il voit les gens être à proximité, il va réouvrir ses portes. Mais comme il doit respecter son horaire, une fois qu'il est parti, il ne réarrête pas pour que la clientèle embarque à bord. Parce que moi, j'ai pris la 185 pour m'en aller des Ormeaux puis Hochelaga. Puis la conductrice a dit, comment ça, j'ai pas été avertie? Elle a dit, habituellement, on nous avertit. C'est pour ça que je vous rapporte ça. Oui, j'ai pris la 185, on a Honoré-Beaugrand jusqu'à Hochelaga, des Ormeaux. Puis elle me dit, habituellement, on nous avertit, on est supposé d'attendre les clients. C'est pour ça que je vous en parle. Oh bon, j'ai de la difficulté à me comprendre, madame.
J'ai pris l'autobus, le 185, pour en faire un petit bout. Oui. Bon, j'en ai parlé, les conducteurs d'autobus ne nous ont pas attendu. Elle dit moi non plus. Elle dit moi, habituellement, quand le métro est stoppé, il est arrêté, elle dit, ils sont supposés nous avertir. Ah, OK. C'est elle qui m'a dit ça, c'est le conducteur d'autobus. OK, je comprends mieux. Donc, le métro était, il y avait un arrêt de service. Oui. Et puis, elle dit qu'elle n'était pas au courant, elle n'a pas été informée de l'arrêt de service pour vous attendre. Et normalement, enfin, je prends votre commentaire, là, mais habituellement, lorsqu'il y a un arrêt de service, le réseau en surface en est informé. Et si l'arrêt est prolongé, il y a même un service qui se met en place, additionnel qui se met en place. Surtout, en heure de pointe, c'est plus difficile parce que nos bus sont sur tout le territoire, mais hors heure de pointe, on peut amener des autobus pour faire une desserte s'il y a une panne, un arrêt de service entre quelques stations. Vous aviez une autre question qui concernait... Je ne sais pas, parce que vous m'avez ouvert des... Ce n'était pas mon but. Non, c'est pour la métro Berry, ce que vous avez dit, là. Oui. Vous savez, vous avez fait quelque chose pour... Il y avait comme des trous d'or, des trous d'or, excusez, des puits de lumière, là. Oui. Bon, ça, on les a fait... Vous avez mis de la vitre, là. Oui, par rapport à des gens qui sautent en bas. Mais pour non, ça, c'est pas... C'est pas à cause de ça? C'est une rumeur urbaine. Ah. Donc, il y a des puits de lumière qui ont été recouverts de plexiglas. Oui. Dans les rénovations de la station, je pense que ils sont en train de reconfigurer ces fermetures-là. Mais allez-y. Parce qu'il y avait de l'aération auparavant, puis là, il n'y en a plus. C'est pour ça que je voulais vous faire ce commentaire-là. Mais ce n'était pas les questions, oui, je sais. Oui, est-ce moi que aussi. Ça a à faire avec la carte Opus qu'on va de Montréal? Non, je m'en vais là. Non, mais là, madame, c'est parce que... J'ai fini, je vous laisse un petit commentaire, je ne veux pas en discuter plus que ça. C'est bon. Mais le vice-président Fabienne me rappelait à l'ordre. Vous avez inscrit des questions, vous devez vous en tenir à vos questions. C'est moi qui... Parce que je peux pas vous dire de faire des trucs d'aération. Allez-y, madame. C'est qu'on l'a 18, moi j'ai resté 10 ans de temps à Beaubien, 18e avenue. Il y avait des autobus aux 10 minutes en direction S. Puis environ à peu près 15 minutes pour la direction ouest. Puis maintenant, ils sont rendus aux demi-heures. C'est à partir de 8h30, 9h. C'est aux demi-heures que sont les 18. Au métro Honoré-Beaugrand, c'est le même. Bon. C'est bien écrit là, moi que l'oreille soit pas bonne. Écoutez, est-ce que vous me faites part d'un commentaire? Est-ce que... Non, c'est parce que moi... Pardon. Oui, monsieur, c'est au demi-heure. Je m'excuse. Madame, le 18, c'est une partie du réseau 10 minutes max, je pense. C'est-à-dire, l'autobus arrive dans un délai maximum de 10 minutes, de 6 heures le matin à 9 heures le soir. Vous avez dit 8h30, c'est devenu... Ah non, excusez, excusez-moi, c'est le soir, moi. Excusez-moi, c'est 21 heures. Après 21 heures. Ah oui, après 21 heures. Okay. Oui, c'est normal, c'est correct. Elle n'était pas de même, monsieur. Il y avait... Parce que moi, une chose, la 185, même si je contesterais, je vous dirais d'en mettre plus souvent, non. Mais là, moi, comme la 185 est rare, il y avait une 18, je sautais dedans. Mais là, rendu aussi rare que la 185. Okay. Puis il y a du monde, là. Bon, bien, enfin, vous nous faites part de votre commentaire. On a amélioré la fréquence sur ces lignes-là. Là, après 21 heures, c'est sûr qu'il n'y a pas, on n'est plus aux 10 minutes, là, loin de là. Mais on tient compte de votre commentaire, madame. J'ai resté longtemps. Les choses que, ça commençait à être aux 25 minutes à 23h25, je m'en souviens. Bon. Puis laissez-moi vous dire, il y a du monde. Je comprends qu'on n'est pas dans l'ouest, on n'est pas à Saint-Anne-de-Bellevue, mais on est du monde dans l'est aussi. Je pense qu'on fait un travail sur l'ensemble du territoire. On n'a pas... L'ouest de Montréal, et avec raison, n'avait pas suffisamment de lignes express et concernant Turcot qui arrive. On a renforcé. Ouais. Mais dans l'est de Montréal aussi, on a des lignes express, on a des lignes 10 minutes max. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos deux interventions, madame. Attendez. Merci beaucoup. Mais non, Longueuil, pourquoi vous ne l'avez pas dit, alors... Bon, allez-y, je vais vous le dire pour Longueuil. Votre question, c'est... Longueuil, il y a beaucoup de gens. Faut-tu que je fasse une pétition? Là, c'est parce que l'université, là, le moment, ça agrève, parce que les étudiants sont obligés de payer plus cher. Une personne de Longueuil, j'ai parlé à beaucoup de gens, mettons, elle prend l'autobus une fois de temps en temps, elle n'a pas besoin de s'acheter un paquet de tickets, elle paye son autobus. Mais même si elle a une étiquette, Torieux, il faut qu'elle paye une autre fois, rendue au métro. Puis nous autres, ici à Montréal, on l'a payé, le métro Longueuil. Oui. On a le droit de passer avec notre carte. C'est pas par rapport au maire Vaillancourt, d'après tout ce que j'ai entendu dire. Mais madame, votre question, c'était à l'effet pourquoi. Donc, c'est vrai que nous avons intégré les tarifs
de Laval et de Longueuil, tel que nous étions entendus dans un accord au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal sur le déficit, le prolongement du métro, l'intégration tarifaire, donc c'est une entente globale. Ça s'est fait par étapes. Et maintenant, les gens qui accèdent au métro de Longueuil peuvent avoir une carte qu'on dit tram 3 pour le réseau de Longueuil et de Montréal. Ils paient un tarif tram 3 pour accéder à la station ou ils peuvent prendre des billets individuels là, à 3 et 2 $. Fait que ça, c'est depuis janvier de cette année que ça a été mis en place. Fait que donc, l'explication de la donnée, vous pouvez ne pas être en accord avec ça, mais c'est une décision du conseil qu'on a prise, qu'on a fait par étapes, conjointement et avec l'accord de la mairesse de Longueuil, qui est présidente du regroupement, c'est du réseau de transport de Longueuil. Parce que moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que l'affaire de travail en cours. Bon. Je vous remercie beaucoup, madame. C'est une information que je veux vous donner. Non, mais... Donnez-moi, c'est une seconde. Non. L'AMT, dites-moi, oui. Ça concerne le train. Oui, madame. Mais dites-moi où téléphoner, c'est une assemblée. L'AMT, dites-moi. Madame Vincelette, vous abusez le processus. Les autres quatre personnes... Oui, correct, mais je veux avoir une information pour le train. Est-ce que c'est vous qui pouvez me donner l'information ou si c'est l'AMT? C'est l'AMT. Bon, c'est ça, je voulais savoir. Merci, madame. Je vais inviter M. Philippe Vallée. Bonjour, M. Vallée. Bonsoir. Bonsoir. Je viens à titre personnel, mais aussi à titre de représentant du comité de circulation quartier-ville. Oui. Auquel je participe. On a une réunion mensuelle qui... personnellement, je prends l'autobus et le métro au quotidien pour faire 10 km entre quartier-ville et mon travail, qui est à l'Université de Montréal. Et pour faire ces 10 km-là, ça me prend une heure. Oui. Trouvez-vous ça performant 10 km/h? Je veux dire, quelqu'un à pied, c'est 5 km/h. Donc, l'autobus, métro, la combinaison est deux fois plus rapide qu'à pied. Sauf qu'en vélo, je le fais à 15 km/h. Oui. Moi, personnellement, je trouve pas ça performant. J'utilise la ligne 179 sur laquelle il y aurait de la place pour une voie réservée parce que je cherche, il n'y a pas de planification de voie réservée sur la ligne 179, ce que je trouve très triste. Qu'attendez-vous pour globalement... On se connaît. pour donner priorité aux autobus dans la ville, parler avec les gens de la ville et mettre des feux de circulation prioritaires aux autobus partout. Je veux dire, pour une fraction d'un kilomètre de métro, vous avez un paquet de feux de circulation prioritaires pour les autobus, vous avez des boîtes, des voies réservées, c'est des panneaux et du marquage. Ça peut pas être si compliqué que ça, écoutez, des centaines de millions de dollars. Pour les mêmes autobus, les mêmes chauffeurs, vous améliorez la qualité de votre service, vous transportez plus de monde plus rapidement et c'est votre meilleure mise en marché, c'est votre meilleur marketing, pour utiliser le terme, que d'améliorer le service d'autobus, je pense, et c'est là que vous avez des choses à faire. Alors, qu'attendez-vous? Fait que, donc, vous avez, on est tout à fait d'accord avec vous sur le concept et le principe. Les voies réservées nous donnent beaucoup de gains au niveau du service de la clientèle, la régularité de notre service, la rapidité, la vitesse moyenne du déplacement de nos bus. On en a discuté aujourd'hui, entre autres. Donc, vous avez raison de ce point de vue-là. Nous avons quand même, en accord avec la Ville et en partenariat avec la Ville de Montréal, investi dans le développement du réseau de voies réservées au cours des dernières années. On vient d'en ajouter dans l'ouest de Montréal. Donc, on est d'accord avec ça. Après ça, d'en mettre partout, ça, vous serez d'accord avec moi. Partout, c'est possible. Ouais. Et là, je vais demander M. Rotran-Tripping de vous répondre. M. Vallée, je pense que je me souviens de vous avez assisté à notre réunion publique à Hanse-Cartierville. Oui, vous avez discuté à le microphone les problèmes que vous avez avec le 179. Nous avons pris beaucoup des notes. Il y a toute une grande feuille de suivi qui va être faite. Mais vous avez raison. La vitesse commerciale, c'est à dire le défi majeur pour le transport en commun. Si on peut augmenter la vitesse commerciale, on aurait beaucoup plus de clients et la satisfaction est plus élevée. Il y a un problème de congestion à Montréal, incluant dans votre arrondissement, qui ralentit le transport en commun. On est bien d'accord, les solutions sont des mesures préférentielles par bus, comme vous avez suggéré aujourd'hui, des voies réservées, etc. Mais c'est prendre
trois ou quatre choses, incluant des ententes entre la ville-centre et les arrondissements, l'argent qu'ils doivent mettre dedans, et aussi notre capacité d'augmenter notre flotte pour ajouter des services. Je pense que j'ai expliqué en octobre dernier que l'STM était dans la dernière année d'un programme PASTEC pour améliorer le service transport en commun. Nous avons réussi à une augmentation de service d'autobus par 21% en 5 ans. C'est énorme. Et la clientèle a grandi à 12% et nous avons retenu ces nouveaux clients et la satisfaction était beaucoup plus élevée. Mais on n'a pas solutionné tous les problèmes. Et je suis conscient que dans certains secteurs de la ville, on a des problèmes causés par une surcharge de circulation qui ralente les autobus. Le vote est une. Le 179, il y a beaucoup de gens qui soulèvent des problèmes, surtout dans le secteur parc extension. C'est pas dans le nord de Hanzé-Cartierville, vous avez des problèmes de plus au sud, je suis presque certain. Oui, d'accord. Donc, je ne vous offre pas une solution aujourd'hui. Je dis seulement, on est conscient de la problème, on travaille sur la problème. On va avec des partenaires, le ministère des Transports du Québec, l'Aglo de Montréal et la Ville de Montréal a des solutions pour beaucoup de ces situations qui étaient signalées à nous autres par les citoyens. Ce qui a changé, et les gens croient plus et plus dans le transport en commun comme la solution à les problèmes de mobilité dans la région. Donc, ça devient plus facile. Je ne dis pas que c'est facile, ça devient plus facile. On est à commencement d'un tunnel, on peut voir d'autres côtés, on avance vers les solutions. Donc, je vous demande seulement votre collaboration et votre patience. Mm-hmm. Donc, M. Vallée, sur cette question-là, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu, et puis M. Rotran l'a fait, donc dans différents quartiers, des rencontres, service clientèle, ils ont pris cette information-là en note, ils reviennent et après… Je vais vous répéter. Parfait. Donc, section site web. La 179, aussi en passant, va desservir le futur campus Outremont de l'Université de Montréal. Ouais. Je sais que vous pouvez commencer à y penser. Ça sera une bonne idée de bonifier le service parce qu'il devrait y avoir un achalandage. Si on parle de 2017, là, dans les dernières évaluations, je suis à l'Université de Montréal, là, je suis quand même au courant. Oui, sur votre site web… j'attends la 179 le 20 décembre. Il est supposé d'avoir une A24, elle n'est pas là. Une A36, c'est pas là. Je prends mon téléphone cellulaire, j'appelle, je parle à une dame. Je dis, oui, là, ça fait deux autobus là, qu'on est supposé d'avoir, puis il n'y en a pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben il en manque une. Là, la deuxième est supposée être là, ça en vient. Bon, ben, pouvez-vous prendre ma plainte, là? Elle dit, oh non, rappelez pendant les heures de bureau ou par jour sur notre site web. Là, je suis au cellulaire, je dis, là, madame, là, c'est de l'aveuglement volontaire. Là. Comment ça, vous pouvez pas prendre ma plainte comme. J'ai une demi-heure, 45 minutes de retard, je vais arriver à la maison. La dernière idée que j'ai en tête, c'est de porter plainte à la STM. Là. Puis en plus, quand on va sur votre site web et qu'on porte plainte, on n'a aucun numéro de référence, on n'a aucun feedback. On a l'impression d'envoyer la lettre, puis on n'est pas au courant. Est-ce que tu passais quelque chose? As-tu été noté quelque part? Est-ce que ça s'est perdu dans les dédales de l'Internet? On ne sait pas. Bon. Alors, je trouve ça inacceptable là, comme situation. Là. Ça ressemble à l'aveuglement volontaire. C'est pas l'aveuglement volontaire. On reçoit les plaintes. Toutes les plaintes au service à la clientèle font l'objet d'un suivi, tantôt par téléphone, tantôt par écrit. On a pris note de vos commentaires quant à l'accusé de réception ou au fait que la plainte ayant été envoyée par Internet ou par le biais de site. Est-ce qu'il y a un retour qui est fait à une adresse de courriel que vous aviez identifiée? Madame Vaillancourt, qui a cette responsabilité à la STM, peut vous répondre en complément. Oui, en effet, pour notre site web, c'est un problème qu'on a. C'est un très vieux site web qu'on a. On l'a revampé un peu. Et le conseil d'administration a approuvé un budget pour avoir un nouveau site où il va être interactif. Et c'est prévu, justement, de pouvoir faire une plainte officielle où on va pouvoir interagir avec le client, donc tel que vous le demandez. Ce n'est pas un numéro, puis après ça, si j'appelle par téléphone, pouvoir dire à la personne, ben, mon numéro de plainte, c'est tel numéro. Ah oui. Dans la nouvelle version, ça va être c'est parce que là, c'est… Vous avez raison, M. Vallée. Notre site a été amené à ses limites avec la technologie que nous avions. Le conseil a voté les budgets pour avoir un site de deux et troisième génération qui va répondre à votre demande. Dernier point, support à vélo. Support à vélo. Il y a des supports à vélo. Là, c'est pas… Moi, je n'ai pas expérimenté le problème moi-même. C'est en tant que…
que membre du comité de circulation critique que je rapporte ici les propos. Mais ce que les gens ont eu comme plainte, entre autres, c'est que vous avez mis des supports à vélo, mais il n'y a aucun autocollant appliqué qu'avec des instructions tirées sur cette poignée-là pour que ça fonctionne. De telle sorte que la personne qui m'a rapporté ces propos-là, ce qui est arrivé avec son vélo, là, il y a le chauffeur qui est impatient, il y a les clients qui ont s'ils peuvent se dépêcher avec son vélo. Et finalement, c'est très, très intimidant pour qui que ce soit de effectivement mettre son vélo devant l'autobus parce qu'il n'y a pas de guide qui pourrait être genre dire tirer sur telle poignée, etc., etc. Peut-être que ça a changé, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié récemment, mais ça m'a été rapporté. Okay. Enfin, pour avoir mis mon vélo à 42 reprises sur un, sur un support à vélo, je me souviens d'avoir vu un certain nombre d'indications de flèches. Okay. Je sais que sur le site Internet, il y a un document qui explique les étapes à franchir qu'on peut aller voir. Là, il y a une rubrique vélo. Là, je ne pourrais pas me diriger, mais on a fourni l'information. Je sais qu'il y a même un petit document imprimé qui a été fait à cet effet. Donc, on prend note de ça. S'assurer qu'il y a des autocollants clairs. On met en place une ligne là, qui va avoir des supports parce que pour l'expérience a été, il n'y a pas eu un trizillion de vélos qui ont bon d'abord, mais on poursuit avec une nouvelle ligne et ça va se poursuivre au fil des ans. Donc, votre commentaire, on en tient compte. Surtout sur la ligne 180, le service n'est pas très bon. Je vous remercie beaucoup, M. Vallée, d'être venu ce soir Merci. Vous faire part de vos commentaires, poser vos questions. Je vais inviter M. Claude Sabat, qui a un commentaire à faire. M. Sabat. Peut-être on peut amener le micro. Oui. Puis en même temps, c'est qu'on est en diffusion, fait que ça lui permet de... Vous avez jamais regardé? Moi, je revisionne ça très souvent. Okay, moi j'aimerais bonsoir monsieur dame. J'aimerais remercier beaucoup la STM Transport Adapté, l'équipe de au bureau, les chauffeurs de taxi accessibles, les chauffeurs d'autobus, minibus. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci une fois de plus. Merci de votre présence. Merci. On va transmettre à l'équipe qui est présente. Et qui a entendu ça va transmettre ça à l'équipe qui travaille fort au transport adapté. Merci beaucoup. Merci. Je vais donc inviter le dernier intervenant, qui est M. Normand Parisien, Bonsoir, M. Parisien. Bonsoir, M. le Président, des membres du conseil d'administration, et aussi, représentant de l'Association Transport 2000 Québec, qui représente les usagers des transports collectifs. Et, question relativement à l'accès aux voies réservées ou aux voies prioritaires pour l'autobus et les taxis. Alors, vous devez être au courant, M. le Président, mais il semble que la Ville de Montréal envisage la possibilité d'ouvrir l'accès au vélo, l'utilisation des voies réservées aux autobus et taxis sur le réseau de la STM. Alors, êtes-vous au courant de cette éventualité? Oui, on en a discuté aujourd'hui. On part du principe qu'on est au courant de tout. Donc, on est au courant également de ça. C'est une recommandation d'une commission du Conseil. La STM est déjà, depuis 2 ans, fait un travail, a commandé des études quant au gabarit des voies réservées pour que les vélos fassent partie du corridor. Donc, les gabarits pour que le chauffeur d'un bus et d'un taxi ait une zone de confort. Donc, ça, c'est mesuré. Internationalement, il y a des normes. Ça se fait dans plein de villes dans le monde. Donc, ça, c'est un premier travail que la STM a fait. Le deuxième travail que la STM a fait de concert avec la ville, c'est de travailler sur un projet pilote d'une première voie réservée, bus, taxi, vélo, d'un gabarit sécuritaire. Et donc, le travail a commencé. Il n'est pas conclu encore. Mais on est très au courant de ça. Parce que plus va se développer le réseau de voies bus, plus on a avantage à intégrer les différents modes, parce que sinon, on exclut les cyclistes pour lesquels on doit faire un mode de voie réservée vélo, de bande cyclable, de piste cyclable. Ça devient complexe. Donc, beaucoup de villes ont choisi de combiner les 3 modes qui cohabitent très bien.
Londres-Paris, le réseau francilien. Donc, on est au courant. On a des études qui ont été faites il y a 3 ans, je crois. Je ne pourrais pas vous donner la date exacte. Et depuis 1 an et demi, on travaille sur un projet pilote d'une première voie réservée trimode. Parce que, bon, avant, une question complémentaire, si vous permettez, M. le Président, mais avec respect, je dirais que comme ex-membre externe du comité d'examen des plaintes de la STCUM dans les années 90, ce dossier-là a été fort documenté. Et ça, avec toutes les observations qu'on a pu trouver au comité, puis je ne vais pas sortir toute l'information, il y a plein de toutes sortes de plaintes avec des noms, une utilisation conflictuelle dans la cohabitation qui fait en sorte que c'est un stress considérable pour les chauffeurs d'autobus. C'est aussi un inconfort assez important pour les usagers des autobus qui utilisent le réseau, dans la mesure où ils sont souvent brassés, compte tenu du différentiel de vitesse qu'on trouve entre l'autobus et le vélo. Et vous comprendrez nos inquiétudes, M. le Président, au nom des usagers qui utilisent le service d'autobus au quotidien, et d'un stress potentiel et des gens qui font des chutes à bord des autobus à cause du freinage puis des départs. Alors, Monsieur le Président, droite au but, quelle est votre position à vous là-dessus? La position est très claire. La STM est favorable à des voies réservées trimodes dans la mesure où elles respectent des gabarits sécuritaires tels que pratiqués dans des dizaines de villes à travers le monde où il n'y a pas la description que vous faites qui est presque une description d'horreur. Donc, nous sommes favorables, mais ça doit se faire dans les normes de sécurité et c'est largement documenté par Engénie Conseil sur les gabarits qui sont adéquats pour une voie réservée trimode. Le réseau francilien parisien est à 80 % trimode et ça ne provoque pas ce que vous prétendez. Mais cela va se faire comme à l'habitude, par des projets pilotes qui vont être monitorés avec une rétroaction sur les avantages et les désavantages. Nos chauffeurs vont participer à ça, les cyclistes également, et puis on va aller étape par étape là-dedans. Mais ça va se faire. Nous ne pouvons pas développer 400, 500, 600, 700 km de voies réservées sur le territoire de Montréal et exclure les déplacements vélos sur 400, 500, 600 km. Ça va faire en sorte que les déplacements vélos vont être complètement sortis du système. Donc, on doit trouver des façons de les intégrer, soit à l'intérieur des voies, soit en leur proposant des voies attenantes, parallèles, propre. Donc, c'est le travail qu'on fait. Mais vous comprenez, M. le Président, que les voies réservées aux autobus sont là pour assurer, pour augmenter la compétitivité des autobus. M. le Président, on est au courant de tout ça. Je ne ferai pas la discussion ce soir avec vous, mais si vous voulez la faire en dehors du cadre du conseil d'administration, et puis je vous invite également à vous documenter d'un point de vue international. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de villes pour des milliers de kilomètres où le trimode fonctionne. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre question. Bien, je vous remercie de votre attention. Bonne soirée, mesdames Merci. Et messieurs. Donc, ceci met fin à la période de questions. Je vais appeler l'article 1 de l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en ajoutant les articles 10.1 et 13.3. Je le propose. C'est adopté. J'appelle l'article 2. Approbation des procès-verbaux des assemblées tenues les 1er et 7 mars 2012. Je propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 3, donc les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 dans un premier temps. 3.1. Autorisation d'exercer l'option de prolongation du contrat avec Novabus et approbation des mandats de société de transport pour la fourniture de quantités additionnelles d'autobus articulés. 3.2. Adjudication de contrat à location Discount pour la location de véhicules. 3.3. Adjudication de contrat à Épuraire pour la location de filtres à air nettoyables et recyclables.
3.4, adjudication de contrat à Métal Grenier pour la fourniture de camions munis d'un système rail-route et d'une plateforme. 3.5, autorisation d'exercer l'option du contrat avec ITI Hydraulique pour la fourniture de vérin hydraulique pour le centre de transport Stinson. C'est adopté. Je vais revenir brièvement sur 3.1, donc qui est une option de prolongation de contrat pour les différentes sociétés de transport pour l'achat d'autobus articulés urbains. Ça fait partie donc de tout notre travail d'amélioration de service et de croissance de notre parc bus. L'article 3.4 portait sur l'achat de camions spéciaux que nous utilisons dans le réseau de métro qui peuvent rouler de l'extérieur, enfin qui viennent dans les tunnels là, sur rail. Et en 3.5, le centre Stinson est un nouveau centre de transport dont les travaux ont commencé. Il fait partie de notre plan 2020 et c'est l'acquisition, dans ce cas-ci, on a une option là, pour des vérins pour soulever les bus. Donc, je vais maintenant appeler les articles, toujours de la rubrique 3, mais les articles 3.6, 3.7, 3.8. 3.6, autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat avec ABC Becker, CBMNA, New Flyer et Prévost pour la fourniture de pièces d'autobus diverses. 3.7, autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat avec ACS Solutions France pour la fourniture de pièces de rechange pour le système de vente et perception. 3.8, adjudication de contrat à CBMNA, New Flyer, Prévost, ABC Becker, Daimler, Traction, Mohawk, Wajax et Natsco pour pièces diverses pour autobus. Je l'appuie. C'est adopté. Donc, les articles 3.6, 3.7, 3.8 sont adoptés. Comme vous le voyez, là, c'est dans bien des cas là, des achats de pièces pour nos travaux d'entretien. J'appelle donc les articles de la rubrique 4, 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4. 4.1, adjudication de contrat à Célèb Construction pour la réfection de dalles de béton à la station de métro Snowdon. 4.2, autorisation d'exercer l'option de renouvellement des contrats de services de transport collectif par taxi avec Association de Taxi Diamond et Coop des propriétaires de taxis de l'Ouest métropolitain pour l'Ouest de l'île. 4.3, adjudication de contrat à groupe Qualitas pour un service de caractérisation géométrique des appareils de voie. 4.4, autorisation de l'octroi d'un contrat à l'École nationale de police du Québec. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Dans le cas de 4.1, là, c'est la station Snowdon. Ça fait partie donc des travaux que nous effectuons dans le réseau de métro. Et comme j'en faisais part tout à l'heure, là, sur le site Internet de la STM, maintenant, on peut suivre les travaux plus spécifiquement qui se font dans le métro de Montréal. J'appelle les articles de la rubrique 5, 5.1, 5.2, 5.3. 5.1, adjudication de contrat à SNC-Lavalin pour des services professionnels en ingénierie. 5.2, adjudication de contrat à Vision Critical pour des services professionnels pour développer et entretenir un panel de clients pour les besoins d'enquête et sondage. 5.3, adjudication de contrat de services professionnels à groupe ID pour la maîtrise des énergies. Je propose. Je les appuie. Les articles 5.1, 5.2, 5.3 sont adoptés. Je reviens sur le 5.2, adjudication du contrat de service professionnel pour développer et entretenir un panel de clients pour les besoins d'enquête et de sondage. Comme vous le savez, la STM a entrepris un programme de qualité mesuré et pondéré pour donc améliorer les services qui tiennent le plus à cœur à notre clientèle. D'ailleurs, sur le site Internet de la STM, là, il y a une rubrique qui s'appelle « Ensemble pour la qualité » où on peut voir ces mesures-là qui sont prises de façon indépendante. Donc, les articles 5.1, 5.2, 5.3 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 6. 6.1, adjudication de contrat à Procova pour l'agrandissement du vestiaire et de la salle du personnel au garage Montmorency. Je le propose. J'appuie. C'est adopté. Je ne m'étendrai pas sur les... Je vais appeler
l'article de la rubrique 7, l'article 7.1. Adjudication de contrat à Siemens Canada pour l'acquisition d'un simulateur de trafic. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. Monsieur Desrosiers nous expliquait tout à l'heure là, que le simulateur va, permettrait de faire des lignes dans toutes les directions jusqu'à Chibougamau. J'appelle l'article... Vous n'avez pas dit ça? Vous êtes... Sept-Îles. Monsieur Desrosiers de Sept-Îles. Donc, l'article 7.1 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 8. 8.1, approbation de la modification de la composition du comité de sélection pour l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Je le rappelle à chaque fois, hein, la STM adopte des grilles de pondération, donc adopte ensuite les comités qui vont faire, suite à des appels d'offres, l'analyse à partir de la grille. Donc, quand c'est nous qui nommons au conseil les gens qui vont être sur ces comités, et lorsque changement, substitution, nous devons les renommer. J'appelle donc les articles de la rubrique 9, 9.1, 9.2 et 9.3. 9.1, adoption du système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels pour la production d'une vidéo de la commande centralisée. 9.2, adoption du système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels pour la gestion de la marque et fournir des services de marketing, communication et design. 9.3, adoption du système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels pour l'étude et la planification d'un service rapide par bus. J'appuie. Les articles donc 9.1, 9.2 et 9.3 sont adoptés. Juste pour vous informer, le 9.3, tout à l'heure, un citoyen nous parlait de l'importance des voies réservées. Dans ce cas-ci, c'est un travail, c'est une grille de pondération pour des services professionnels, pour des services rapides par bus qui sont... le nec plus ultra en matière de voies réservées, sur lequel nous travaillons déjà avec l'AMT pour une première là, sur P9. Et là, c'est pour un travail pour d'autres voies SRB. J'appelle l'article de la rubrique 10. 10.1, adoption du règlement R078-2 pour financer l'ajout de 55 autobus articulés diesel. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. C'est un travail au niveau du règlement d'emprunt, c'est les bus articulés, c'est très important. Nous avons déjà donc acquis près de 202 bus qui nous ont été livrés, des bus articulés. Notre clientèle les apprécie beaucoup. Si vous n'avez pas eu la chance de les prendre, je vous y invite, là, surtout le salon VIP à l'arrière. Mais donc là, la direction de la STM a proposé donc... d'aller de l'avant avec une acquisition supplémentaire pour maintenir le rythme de l'achalandage qui croît à la STM. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'appelle, donc, l'article 10.1 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 11. 11.1, modification de parcours aux lignes d'autobus 405 Express Bord du Lac, 425 Express Anse-à-l'Orme et 485 Express Antoine Faucon. C'est l'article 11.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 12. 12.1, approbation de la prolongation de l'enquête origine destination en mode continu pour l'année 2012. 12.2, approbation d'une entente avec CBS Affichage pour un programme intensif d'entretien des abribus. Je propose. J'appuie. Donc, les articles 12.1 et 12.2 sont adoptés. C'est très important dans le cadre de l'enquête origine-destination. Ça ne vous dit peut-être pas ce que ça mange en hiver, mais l'enquête origine-destination nous permet de savoir d'où les gens partent, où ils vont. Et toutes les sociétés de transport utilisent cet outil de travail pour mieux planifier l'offre de services, métro, bus, train, etc. Et là, donc, nous avions une enquête qui était à rythme de 5 ans. La dernière de 2008, et nous travaillons de concert avec la Ville de Montréal et les autres agences à faire des études en continu. C'est très important pour notre service clientèle et l'ajustement des services. Pour 12.2, nous avons la direction
la société a entrepris de nettoyer plus fréquemment les abribus, tout particulièrement au centre-ville. C'est une demande de notre clientèle. Et là, donc, nous reconduisons ce programme-là d'entretien accéléré des abribus graffiti nettoyage. Donc, c'est deux adoptions qui sont importantes. J'appelle les articles de la rubrique 13. 13.1, prendre acte du dépôt du rapport d'activité 2011. 13.2, approbation de la nomination des inspecteurs de la STM. 13.3, approbation de la modification à la résolution CA 2010-060. C'est moi qui les propose. Et je propose, et M. Rotrand, le vice-président, appuie, parce qu'en 13.1, nous avons déposé notre rapport d'activité. Il va être en mode PDF demain. Donc, il va être disponible sur Internet. Si vous voulez voir les anciens de la STM quand ils étaient tout petits, dont moi-même, c'est un rapport annuel dont la facture graphique est très intéressante. Beaucoup de données sur ce qui a été fait au cours de l'année. Et ça s'inscrit, dans le fond, c'est un peu la boucle qui est bouclée du 150e anniversaire que nous avons célébré en 2011, puisque, comme vous le savez, la STM, le transport collectif, a commencé en 1861 par les premiers hippomobiles. Avec c'est l'adoption des articles 13.1, 13.2, 13.3, ceci met fin à l'ordre du jour qui est épuisé de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la STM du mercredi 4 avril 2012. Merci infiniment de votre présence. Je vous rappelle que le prochain conseil d'administration aura lieu dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Merci, bonsoir.